Hello tout le monde, c'est Gaïa. On espère que vous allez bien. On espère que tout se passe bien chez vous. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo où on va regarder des YTP. Si vous connaissez pas, c'est du genre de parodie. Vous allez voir, parce que j'ai pas trop d'arguments comment vous le dire. Donc, vous allez voir. Vous allez tout de suite comprendre que c'est what the fuck. Allez, c'est parti, première vidéo. C'est marrant et what the fuck à la fois. Bonsoir, bonsoir, soyez les bienvenus au bout de mon zizi. Mais ce n'est pas tout, ils vont aussi le mesurer 100 mm. Ah! Théoura est heureux de revenir dans l'aventure et de découvrir Théoura. C'est très agréable. Théoura, il dégage une odeur, c'est très impressionnant, c'est vraiment mythique. C'est très agréable. J'ai vraiment hâte hein, de me retrouver. Face à mes patates, soyez mes patates. Désolé de vous couper, mais on vous informe qu'il n'y a aucun montage sur cette vidéo. Théoura est devenu. Pour vous prévenir que c'est pas nous qui rajoutons le montage, mais c'est déjà la vidéo. À votre nouvelle équipe. Miska, Moska, demandez à faire passer. Regardez ce qui vous attend. Seulement si vous gagnez. Ah, l'objectif final. C'est de composer un assemblage à l'aide de 6 poulets rôtis pour arriver à un endroit où là, vous allez composer votre théoura. L'équipe qui y parvient la première rentre chez sa maître. Allez vous mettre sur la ligne de départ. Terrible déception. Les jaunes, calmez votre porte. Poulets rôtis, la réunification c'est maintenant. Wow. Bonsoir à tous, il va falloir discuter et prendre 3 poulets rôtis. Pourquoi 2 ambassadeurs? Parce qu'il y aura 3 poulets rôtis. Bonjour. Bonjour Moussa, bonjour Alexandra. Merci. Bonjour Claude, bonjour Denis. Ahmad. Bonjour Denis. Vous êtes les ambassadeurs de Koh-Lanta. Et votre mission est capitale aujourd'hui. Vous allez devoir éliminer un encul. Les deux aventures comme si de rien n'était. A tout à l'heure. 3 poulets rôtis. C'est pas. Enchanté Moussa, je suis ravi de te connaître. Ah, moi aussi. Après Moussa, regarde. C'est pas. je sais Moussa, mais au bout d'un moment, il y a des choix à faire quand tu vas au conseil. Théoura, il était très très gros. Maintenant, est-ce que je prends le risque de sauter une fille? Lol. Je vais choisir. De sauter une fille ou un garçon? Eric, il veut pêcher. Folien. La question, c'est qui? Ahmad, qui? Je sais pas, tu proposes qui, toi? Ahmad, madame. Tu sais pourquoi on t'a convoqué? Il y en a d'autres, ils voulaient convoquer quelqu'un d'autre pour convoquer. Delphine, pour convoquer Charlotte, pour protéger sa couille. Je vois qu'elle arrive. Ouais, mais Moussa, regarde, moi, je suis venu avec la grosse boule. Voilà. À qui l'honneur? Ouais. Il y avait une boule noire. Ouais. Il y avait un une boule blanche. Si on trouvait pas une boule noire, on trouvait une couille blanche. Ouais. Par équipe. Voilà, à travers un tirage au sort. Ouais. Clairement, j'aurais parlé un vrai français. les héros étaient 100% couilles. Maintenant, le truc, c'est qu'il fallait faire un choix. C'est n'importe quoi. Vous. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé, Delphine, j'ai quitté pour toi. Ouais. C'est très agréable. Vraiment. On venait d'éliminer Théoura. Ouais, c'est moi qui l'ai assumé et tout. Et je vous ai dit quoi? Toutes les filles, vous deux, Folien, Eric. J'ai dit, attention, ne mettez pas tous les rouges. Et vous avez tous dit, non, ok, c'est pas grave, on le fait. C'est dommage. Mais regarde, qu'est-ce qu'on s'est dit après le jeu de confort? Après le jeu de confort. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Bien sûr. Parce que vous vous êtes fait et... Qu'est-ce que t'as dit, Kébar? Il a des mots qui sont rentrés. Tu sais pas parler. Allez pour Delphine. Allez pour Delphine. Respectez 1 mètre de distance avec Ahmad et arrêtez les embrassades. Poulet rôti. Approchez, approchez. Si vous êtes noir, vous gagnerez un nounours géant. Maman, on peut faire ce jeu? Non. 1 euro, s'il vous plaît. 1
1 euro, c'est pour une bonne cause. Un deuxième vidéo. Ça commence bien. Je vais essayer, Peppa, mais je ne pense pas que ce sera facile. Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges? 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro, c'est pour une bonne cause. C'est exact, vous n'avez aucune chance. Comment? C'est impossible. À mon avis, vous perdez votre argent. Maman Pig a gagné. Youpi! Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Tu ne voudrais pas plutôt un mini nounours à la place? Non. Regarde, maman. Regarde, tu as vu le nounours géant? Il est un peu trop gros. Mais non, pas du tout. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, t'es sérieux là de dire des trucs comme ça? Non. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, c'est combien pour un tir? C'est trop. 1 euro. Maman Pig a gagné. Youpi! Maman, maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et George vont faire la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? Approchez, approchez. Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Tapez sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné. Allô? Ce n'est pas compliqué. Il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. Non. Pas de chance. Oh oh, moi je suis fort. À mon tour maintenant. Attention, reculez s'il vous plaît. Surtout ne recule pas trop. Tu n'en as pas l'habitude. Oh oh oui, c'est vrai que Papa Pig est un peu empâté. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. C'est bon. Répétons sur ces derniers polissons. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Quoi? Je disais que Papa Pig devait certainement aimer le pâté. Donnez-moi ce marteau. Papa Pig jette Peppa dans les toilettes. Donc les gars, on va se quitter là. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et on va se dire à la prochaine. N'oubliez pas votre petit commentaire si c'est pas déjà fait. Petit clochement de cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Oui. Goodbye.